Bonjour, alors aujourd'hui nous accueillons Frédéric Renaudot qui est le fondateur de The Plug. Bonjour Frédéric. Bonjour Isabelle. Alors moi je suis ravie de vous recevoir sur la plateforme Mon Immeuble parce que d'abord vous êtes un partenaire de Mon Immeuble, qu'on a pu vous avoir lors de la dernière soirée et comme en présentation et mieux appréhender cette solution un peu unique que vous proposez dans le monde de la recharge des véhicules électriques. Donc Frédéric, je vous laisse la parole pour justement ceux qui n'étaient pas là lors de la soirée et qui ne vous connaissent pas encore, comprennent un petit peu mieux ce que vous proposez. Voilà, un petit rattrapage pour les absents. Exactement. Effectivement, alors The Plug, c'est un opérateur de recharge pour les voitures électriques dans les parkings d'immeubles, donc les parkings en copropriété. On existe depuis 5 ans maintenant. Et ce que nous sommes, c'est que nous sommes un opérateur qui fonctionne un peu comme les opérateurs câbles ou fibre optique, c'est-à-dire que c'est nous qui investissons l'infrastructure dans le parking de l'immeuble et ensuite nous l'opérons et nous nous chargeons de l'ensemble des démarches de copropriété. Voilà, ce qui permet en fait, l'intérêt c'est que en fait on met tout le monde d'accord dans une copropriété puisqu'on a une alimentation électrique qui est séparée de celle de l'immeuble. On crée notre propre point de livraison, donc un compteur auprès d'Enedis, qui fait qu'il n'y a pas d'impact sur les charges de l'immeuble ni sur le budget de l'immeuble puisque c'est nous qui investissons. Donc, en assemblée générale. Voilà, justement, c'était la question de l'assemblée générale que je voulais aborder parce que c'est toujours la question, mais comment prend-on cette décision d'installer ou pas ces bornes? Donc, le fait que vous installiez tout en dehors des parties communes et que vous preniez ça tout en charge, est-ce que c'est plus simple finalement pour la prise de décision? Ça change vraiment tout, c'est ce qui change tout. C'est-à-dire que la recharge en copropriété, quand on arrive à la question du véhicule électrique, c'est justement, ça devient toujours compliqué parce que il y a seulement quelques utilisateurs dans l'immeuble et la plupart des utilisateurs n'ont pas l'usage du véhicule électrique, en tout cas pas tout de suite. Et donc, ne sont pas prêts à voter un budget de travaux en assemblée générale. Et nous arrivons en disant, ça ne coûtera rien à la copropriété. Seuls les utilisateurs du service paieront le système au travers d'un abonnement. Et donc ça fonctionne très bien en assemblée générale. C'est ça tout l'intérêt en fait de la solution. Alors, sans transition, puisque ça m'amène tout de suite à la question suivante, justement, puisque vous essayez de vous différencier, on l'a vu, donc ça, c'est une solution de recharge un peu unique, puisque ça ne coûte rien à la copropriété. Donc, si on veut rentrer un peu plus dans le concret de l'innovation que vous avez voulu proposer, justement, et qui fait que cette solution est unique. Oui, en fait, depuis 5 ans maintenant, en fait, on propose cette solution qui, par rapport au droit à la prise qui existe depuis 2011 et qui permet et qui a un grand mérite d'exister puisqu'il permet à un copropriétaire de se raccorder sur le compteur des parties communes. Donc, ça lui permet de disposer d'une prise ou d'une borne dans sa copropriété. Mais ça ne résout pas complètement la problématique de la copropriété, puisque ça peut fonctionner pour un ou deux utilisateurs, mais ça ne permet pas, dans la durée, d'avoir une solution pérenne, évolutive, qui répond à toutes les demandes, puisque rapidement, le compteur des parties communes risque d'être saturé. On va se demander, mais qui va payer l'augmentation de puissance du compteur, etc. Nous arrivons avec une solution qui est complètement évolutive, qui va permettre de répondre à toutes les demandes à terme, sans coût pour la copropriété, en faisant payer uniquement les utilisateurs. Donc, c'est ça vraiment notre innovation. Ça fait maintenant 5 ans qu'on la propose. On a aujourd'hui plus de 1000 copropriétés, 1000 grandes copropriétés qui ont validé ce système en assemblée générale. Donc, ça commence à représenter aujourd'hui 100 000 places, en fait, sur lesquelles la fameuse problématique de la recharge en copropriété est résolue. C'est-à-dire que sur ces 100 000 places de parking, elles ne sont pas encore toutes équipées, mais dès qu'il y a quelqu'un qui veut une prise sur sa place, eh bien, on peut le raccorder très rapidement sans avoir à repasser en assemblée générale. D'accord, le côté évolutif d'une solution qui peut prendre en charge au fur et à mesure des nouvelles demandes et on s'implémente et à ce moment-là, le compteur permet d'avoir la charge suffisante pour répondre à cette demande. On n'a pas besoin de refaire un nouveau devis, de changer la solution, c'est ça?
C'est ça. En fait, on a une convention un peu comme la fibre optique, par exemple, avec l'immeuble. Et à partir de là, nous faisons évoluer l'installation dans l'immeuble. Effectivement, ce compteur, nous le faisons évoluer aussi. Nous rajoutons de la puissance si nécessaire. Ce n'est pas à la copropriété de s'en préoccuper. Nous faisons évoluer la solution pour que tous les utilisateurs puissent être servis à terme. Je voudrais simplement rajouter aussi que, en fait, nous installons une borne sur l'emplacement privatif de l'utilisateur. Ce ne sont pas des bornes partagées qui, par définition, offrent un service qui est moins bon, puisque parfois les prises partagées peuvent être prises par d'autres utilisateurs. Là, c'est vraiment une borne qui est sur l'emplacement de l'utilisateur avec un contrôle d'accès par clé ou par badge qui fait que seul l'utilisateur a accès à sa borne. Il a un accès plein et entier à sa borne. Justement, comme c'est personnalisé, individualisé, chacun dans son box, dans son parking, est-ce qu'on peut avoir des puissances différentes, puisque peut-être qu'on a besoin de recharger plus rapidement, ou on a des véhicules, certains ont juste je sais pas moi, une moto, d'autres ont une voiture, et donc on n'a pas besoin forcément des mêmes charges et la même puissance. Complètement. En fait, il y a quatre niveaux de puissance. On commence avec la prise de type prise domestique, mais renforcée pour le véhicule électrique, qui est surtout adaptée pour les deux-roues, pour les véhicules hybrides rechargeables ou alors pour les petits rouleurs. Et ensuite, donc c'est une prise de kilowatts. Et ensuite, il y a des bornes 3, 7 et 11 kilowatts qui permettent de recharger jusqu'à 400 km en une nuit, ce qui est adapté à ce moment-là pour les puissances la plus importante, qui est adapté pour y compris des chauffeurs de taxi et des gros rouleurs. Donc il y a vraiment, on choisit sa puissance, donc c'est vraiment adapté aux besoins de chacun. Alors j'avais une question aussi par rapport aux constructeurs automobiles, puisque bon, il n'y a pas tant de marques non plus qui proposent aujourd'hui du véhicule électrique. Donc vous avez, je crois, mis en place certains partenariats avec ces constructeurs. Et en quoi ça consiste alors pour l'utilisateur? Alors en fait, effectivement, on est partenaire de plusieurs marques automobiles et aujourd'hui, je dirais quand même que la plupart des marques maintenant commencent à proposer des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Donc nous sommes partenaires, je sais pas si on peut les citer, On peut, bien sûr. mais voilà, on est partenaires de Tesla, de Renault, de BMW et Mini, de l'ensemble des marques du groupe Volkswagen, également de Volvo et en haut de gamme de Jaguar Land Rover et Porsche. Donc ça fait un panel assez large de constructeurs automobiles. En fait, le principe c'est assez simple, c'est que quand les utilisateurs viennent en point de vente et qu'ils souhaitent un véhicule électrique, mais qu'ils indiquent qu'ils sont en copropriété, eh bien à ce moment-là, on leur indique the plug. Surtout s'ils indiquent que ça peut poser une difficulté. Et à ce moment-là, nous sommes un peu ceux qui résolvent la difficulté de la recharge en C'est copropriété. la solution clé en main, voilà. Oui, Donc, voilà. C'est en main qui permet de résoudre la fameuse équation de la recharge en copropriété. d'accord. Alors donc, c'est vrai que bon, après il y a de la concurrence, bien sûr. Donc, il faut bien se positionner au niveau des tarifs aussi. Donc là, ce sont des abonnements. Je crois que c'est tout compris. Donc, dans l'abonnement, la location, l'énergie. Enfin bon, je connais pas ça dans le détail, mais justement, Frédéric, peut-être un petit point là-dessus. Voilà, donc en fait, l'utilisateur achète sa borne de recharge, en fait, pour premier niveau de puissance, enfin pour une borne 3,7 kW, la plus courante, c'est 499 € aides déduites. Donc on se charge, nous, d'aller chercher l'ensemble des aides. Il y Ah, a alors je me suis trompée, j'avais dit location. En fait, il faut acheter la borne quand même au voilà, départ, c'est ça. mais l'utilisateur ensuite est propriétaire de sa borne. Donc, D'accord. lui appartient. Il peut ensuite, s'il résilie son abonnement, et l'abonnement peut être résilié à tout moment, comme dans les télécoms, à ce moment-là, la borne lui appartient, et enfin, depuis le début, la borne lui appartient, et il peut en disposer à sa guise, il peut la réinstaller dans un pavillon, par exemple. Voilà. Ensuite, une fois qu'il a acheté sa borne, donc, il souscrit un abonnement auprès de The Plug qui est vraiment tout compris, qui inclut tout, l'accès au service, la facturation, la remontée des données à distance et l'électricité. Et donc, ça commence à 12,90 € par mois pour un 2 euros.
Pour une voiture, ça commence à 19,90 € par mois avec déjà de l'électricité incluse. Et ensuite, plus on veut rouler, plus on a besoin d'électricité incluse dans le forfait, plus on ajoute de l'électricité. Sachant que le forfait moyen, il est à peu près autour de 29 € par mois. On a un forfait à 29 € par mois qui correspond à la plupart des usages. Et il faut savoir aussi qu'à partir de 5 utilisateurs dans un immeuble, il y a 5 € de moins par utilisateur, donc y compris les premiers utilisateurs. Tout le monde se retrouve à 5 € de moins, donc ça veut dire que les tarifs commencent à 14,90 € avec de l'électricité incluse pour un véhicule. Voilà, pour une solution qui est complètement flexible, qu'on peut arrêter à tout moment, qu'on peut résilier quand on veut, c'est quand même une proposition très intéressante par rapport à du carburant, par exemple. Frédéric, on a toujours des aides pour passer à l'électrique, hein, je crois. C'est maintenu, ça. Voilà, alors complètement. Donc tout ça, c'est déjà inclus en fait hein, dans la tarification. D'accord, Nous, c'est. on se charge vraiment d'aller chercher toutes ces aides. L'utilisateur n'a rien à faire. Enfin, il est complètement guidé. On va chercher l'aide à venir. Et ensuite, il y a le crédit d'impôt transition énergétique, qui ne lui est prélevé qu'une fois qu'il l'a touché. Donc, c'est un peu comme les remboursements de lunettes, voilà, vous êtes prélevé de la partie sécurité sociale ou mutuelle qu'une fois que vous l'avez touché, c'est vraiment le même système. Donc, on a le débours pour l'utilisateur n'est vraiment que de 499 € pour acheter sa borne et ensuite l'abonnement. Et pour les professionnels syndics qui se disent, oh là là, on va encore avoir du boulot en plus, on est amené à avoir de plus en plus de demandes pour ce type de service. Donc là, c'est pareil. En fait, ils n'ont rien à part à mettre à l'ordre du jour la demande des occupants. C'est tout. Et la gestion, ils s'en occupent pas non plus. Voilà, alors le système s'adapte effectivement aussi aux immeubles tertiaires. On a de plus en plus d'immeubles de bureaux qui s'équipent avec une solution du même type et ce sont effectivement des entreprises dans ce cas qui s'abonnent. Nous avons déjà des immeubles, plusieurs immeubles, je pense à un immeuble où on a déjà une dizaine de bornes pour différentes entreprises dans l'immeuble. Ça fonctionne bien aussi. Oui, La tarification c'est. est un peu différente puisque il n'y a pas de crédit d'impôt, il y a l'aide à devenir, mais il n'y a pas de crédit d'impôt. Donc voilà, la tarification est un peu différente. Les bornes sont un petit peu plus chères, mais globalement, c'est le même système. Donc l'idéal, c'est d'avoir la recharge à son domicile et à son travail. C'est ça, Frédéric? L'idéal, Ça serait bien ça, hein, si on pouvait avoir les deux, comme ça on est sûr de jamais avoir de problème de batterie, de recharge. Voilà. Alors, quand je roule en Zoé, j'ai une borne, enfin une borne chez moi, grâce au système The Plug. Et bon, avoir une borne soit à domicile, soit au travail, c'est déjà bien. Quand on peut charger une fois dans la journée, c'est déjà bien. En avoir deux, c'est le luxe. J'entends bien, bien sûr. Alors, pour l'actualité et puis les développements à venir, alors je pense que vous êtes en train de vous étendre un peu partout en France. Et alors, si on peut revenir là-dessus aussi, c'est qu'on va trouver le service de plug dans quelle grande ville de France maintenant? Alors aujourd'hui, on a une présence permanente avec des équipes à Lyon, en région PACA, enfin ex-PACA, et également sur Bordeaux-Toulouse. Donc voilà, on commence à avoir une présence relativement importante, mais on va bientôt aussi ajouter des équipes sur les autres grandes villes, les autres principales villes de France, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg demain. Voilà, on compte ouvrir une dizaine de villes à terme dans les prochains mois, de façon à vraiment bien couvrir la France, sachant que on installe déjà sur toute la France, toute la France métropolitaine. On a déjà installé des immeubles un peu partout en France. En revanche, on cherche maintenant à avoir aussi une présence permanente, de façon à être au plus près des syndics, des conseils syndicaux, des utilisateurs. Voilà. Parce que vous êtes amené, parfois, on vous demande d'être présent aussi aux assemblées générales pour expliquer la solution. Ça vous arrive, ça aussi, peut-être? Alors, c'est plutôt exceptionnel parce que on a, comme je vous disais, on a 1000 copropriétés qui nous ont validé, on en a à peu près 2000 qui sont en attente de passage en assemblée générale. Donc, dans ces conditions, il nous faudrait des grandes équipes pour faire. Surtout qu'elles se font à peu près tout au même moment. Ah, évidemment, ouais. Il faudrait une armée de 100 personnes pour faire les assemblées générales. Donc, on peut pas malheureusement faire toutes les assemblées générales. En revanche,
quand vraiment ça nécessite, quand le cas est très particulier ou que ou assez compliqué, ça nous arrive effectivement de venir en assemblée générale. Mais malheureusement, on peut pas assister à tout. Par contre, quand même, il vous faut être présent sur le site pour la configuration des lieux et pour pouvoir implémenter la solution, j'imagine. Enfin, il faut quand même Alors, avoir, hein, c'est ça. absolument. En revanche, on fait systématiquement quand même une visite avec le conseil syndical, une visite des lieux, une visite au travers de laquelle, bien évidemment, on peut faire un diagnostic de l'ensemble, mais aussi et surtout répondre à l'ensemble des questions du conseil syndical ou d'éventuels utilisateurs qui seraient présents. D'accord. Ça leur permet ensuite en assemblée générale d'expliquer le système. Donc, alors, on a bien compris que c'est une solution qui est amenée à se développer, qui fonctionne avec déjà 1 000 copropriétés clientes partout en France. Quels sont les développements alors qui vous restent encore? Bon, bien sûr, peut-être à implémenter des équipes sur place, on l'a compris, mais sinon en termes d'innovation, en termes d'évolution, est-ce qu'on peut s'attendre encore à des nouveautés pour 2020? Oui, tout à fait. On a un espace client qui va évoluer, être bientôt beaucoup plus complet avec un accès à l'ensemble des données par l'utilisateur. Également, on a le projet de proposer une application smartphone permettant également de suivre ses consommations. Ensuite, on pense à l'international aussi parce qu'on a de plus en plus de demandes, notamment au travers de nos partenariats avec les constructeurs automobiles. Un certain nombre nous disent, le système The Plug serait aussi très intéressant dans différents pays européens, notamment Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne. Voilà, ça fait partie des pays les plus importants et les plus intéressants avec le plus de potentiel pour The Plug. Donc, on commence à s'y intéresser très fortement. Bon, donc ça sera le mot de la fin, c'est ça? Peut-être, voilà, un The Plug International and Co, je ne sais quoi, bientôt. Effectivement, d'ici, on va pouvoir se revoir d'ici quelques mois et parler un peu de notre expansion à l'international. C'est tout à fait prévu puisque on va vous retrouver très régulièrement dans les pages de mon immeuble et on va suivre votre actualité, on va essayer de comprendre ensemble, d'expliquer au mieux donc le mode d'emploi en fait, quelles sont les différentes étapes pour choisir une solution déjà parce qu'on quand on ne sait pas comment faire et par où commencer déjà il faut se poser la question de quelle solution est la mieux adaptée à sa configuration. Et à ce moment-là, venir rencontrer vos équipes, Frédéric, hein, bien évidemment, qui sont à l'écoute. Et puis, on vous souhaite, bien sûr, tout plein de belles choses pour la suite. Et on vous dit au revoir. Et merci pour toutes ces précisions d'aujourd'hui. Et à très bientôt. Je pense que on pourra vous rencontrer aussi sur des salons très prochainement. Non, j'allais ajouter effectivement qu'on sera présent au salon de la copropriété, entre autres. Oui. Aussi à d'autres salons, mais essentiellement voilà au salon de la copropriété. Alors, au salon de la copropriété, nous y serons également. On aura beaucoup des acteurs importants du marché de la copropriété qui seront présents. Et on ne manquera pas aussi de venir vous voir au salon de la copropriété. En tout cas, on incite tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter à venir vous voir tant qu'il est temps. Voilà, hein, au salon de la copro, parce que c'est bientôt, donc c'est mois de novembre, donc il faut réserver sa place, prendre son invitation dès maintenant. Merci Frédéric Renaudot, à très bientôt et au salon de la copropriété si on ne se rencontre pas avant. Au revoir. Isabelle, à bientôt.